Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de nature, les écorces oubliées. Je veux sentir l'odeur de la forêt mouillée. Les arbres me feront un collier. Touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres, de l'eau et des forêts pour la planète entière. Je veux des chants d'oiseaux pour ouvrir les matins. Le vent me fera un écrin. Touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Déjà 10 ans. En novembre 2003, Sophie, ma fille, a eu la bonne idée de créer un site internet sur les oiseaux de la nature et de la Bretagne. Vivre avec les oiseaux. Avec des photos, des films et du texte, elle a su très bien mettre en valeur la protection de la faune sauvage qui en a bien besoin. Que de travail! Pas facile de mettre en valeur ce site. Bien qu'un site sur les oiseaux ne soit pas porteur, il y a quand même quelques connexions du monde entier. Voici quelques chiffres. 65% viennent de France, 1% des États-Unis, 3% du Canada. Nombre de connexions. Je vous laisse regarder. Pour l'instant, je suis arrivé à 145 vidéos et très bientôt 146 avec cette dernière. Pour info, en tapant le mot « oiseau » sur un moteur de recherche, ce site se trouve en troisième position. Ce n'est pas mal. Autour du monde. Pour réaliser un film, il faut à peu près une heure de montage pour une minute de film. Sans compter le temps passé à filmer la faune sauvage qui n'est pas toujours au rendez-vous. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux attirent d'elle. Merle, corbeau, pie, tourterelle. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Pour cet anniversaire, j'ai repris mes cassettes DV. 120 cassettes de 90 minutes chacune. Donc, 180 heures à regarder. Et j'ai réalisé deux films avec mes vidéos que j'aime et qui me rappellent des souvenirs. Je pense que les internautes vont trouver ces films longs et de mauvaise qualité. Je vous rappelle que c'est du DV. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde. Ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini.
certains films, je ne les ai jamais mis sur Internet. Et aussi, vous verrez quelques oiseaux d'autres régions. Le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond, dans le soleil, vers l'horizon. Les Côtes d'Armor, c'est 545 000 habitants, dont la moitié vivent en zone rurale. C'est une superficie de 6 878 km², le quart de la Bretagne. C'est 70 000 hectares de forêt et 6 700 km de rivière. Et c'est un littoral qui s'étend sur 350 km de côte. Dans ce cadre relativement protégé et pas trop industrialisé, nichent 205 espèces d'oiseaux. Pour découvrir la vie des oiseaux, il n'est pas nécessaire d'aller aux quatre coins du monde à la recherche des plus rares et des plus étranges. À travers mes images, je vous invite tout d'abord dans mon jardin, à Ploufragan, puis dans quelques coins des Côtes d'Armor, pour vous faire partager le plaisir qu'on éprouve à se sentir près de la nature. Nous allons visiter de magnifiques jardins, avec chacun leur particularité. Partons à la rencontre de passionnés. Thank you.
éruption solaire. Une éruption solaire. Thank you.
vidéo sur le site. Et en fait, sur le massif d'Avogourmammeur, il y a une convention avec la Fédération des chasseurs. Et en fait, c'est les chasseurs qui viennent se faire former à la sécurité à la chasse en battue. En fait, les chasseurs sont invités. Donc on se suit comme tout à l'heure. Donc là, on va repartir vers là. Par là-bas. D'accord, on marche arrière. Pas besoin de combat un peu, voilà. Ouais. Ça brame un peu, mais pas autant que ce qu'on voit. C'était quoi, c'était un éclair? Ouais. Mais c'est pas un avion. Mais moi j'ai vu un flash là-bas derrière. Ouais. C'est un radar. Ouais. Ouais. Désolé. Et oui, c'est vrai qu'on voit des vidéos sur un. Thank you.
Thank you.
Et quel est le but de l'opération? Ce sont des nichoirs pour certains pollinisateurs qui ont besoin d'un orifice comme ça pour se reproduire. D'accord. Et notre façon de construire aujourd'hui les maisons font qu'ils n'ont plus. D'accord. Donc du coup, cette possibilité-là, alors les gens me disent oui, mais dans le trou d'aération de la fenêtre à la maison, je dis ben voilà. Ils n'ont plus que ces trous-là. Parce qu'autrefois, les murs étaient en pierre et on les retrouvait là. Il y a des plantes, par exemple, comme celle-là, qu'aujourd'hui on coupe dans les jardins alors qu'on serait mieux d'en laisser. C'est comme les orties, on coupe tout, on coupe des ronds, on coupe tout. Alors que justement, l'idéal, c'est de garder un peu de tout. Et puis on retrouve après aussi soleil, les ailes, après pour être les ailes du jardin. Parce que dans une ruche d'abeilles domestiques, la température... We'll be right back.
Il est 5 heures et je m'engouffre dans l'allée du château. C'est bien calme, à part une chouette culotte dans le lointain. Le jour commence à arriver, un chevreuil, une femelle m'attend. Pas facile de le filmer. C'est un animal discret et craintif. Pas le moindre bruit. Quelques lapins se réveillent à leur tour. Suivi par les oiseaux et leurs chants. Tout à coup, on me regarde. Je suis surpris et je ne suis pas le seul. Un renard. Il a tellement eu peur qu'il n'arrête pas de lancer des aboiements. Et le chevreuil ne m'a pas repéré. Il s'inquiète aussi. Oreilles dressées. Il s'approche des cris et de moi aussi.
Il est inquiet. Je continue à filmer, c'est super. De grandes émotions pour moi. Il martèle l'herbe. Enfin, il s'enfuit sans savoir pourquoi. Il est toujours là à écouter. Le renard crie toujours. Le temps passe et j'ai du mal à tenir ma caméra.
Il vient dans ma direction, intrigué par mon camouflage. S'arrête. Malheureusement, pour moi, il y a un piquet de clôture devant moi. Pas moyen de bouger. Chut. Restons tranquilles. Il regarde toujours dans la direction du renard. Il m'a oublié. Que c'est beau. C'est la première fois que je filme un chevreuil. Ça me change des oiseaux. Le renard est toujours dans les parages. Le renard se calme. Et les lapins ressortent. Maintenant, ils se reposent cachés dans les herbes.